Allez, bonjour. Aujourd'hui, mon voisin a décidé de faire des rénovations chez lui. Et c'est quelqu'un de très efficace. Donc, il y a du bruit. Il y a du bruit, ça va être sympathique. La perceuse, hein, le grand classique. Mais bon, c'est normal. Donc, peut-être que nous entendrons des petits bruits qui seront... voilà, généreusement offert par mon voisin. Yossi est là, bonjour Yossi, Stardust est avec nous, Cosmina est là aussi, qui est-ce qu'il y a, Morita est là, Aziz est avec nous, Omar qui est là aussi, regardons, parce que ça discute, Luciana est là, Lynn, bonjour Lynn, comment ça va? Mélissa Madrid est là aussi, Victoria Possé, bonjour, alors attendez, J. Vincent nous rejoint, Annabelle est là aussi, bonjour, comment ça va Annabelle? Gabriella est là, bonjour Gabriella, je regarde, j'espère que je n'oublie personne, Renato est là, Hilary est là, Sheryline est là aussi, alors Facti, intéressant comme nom, Ice Cubes, bonjour, Sheryline qui pose bien sûr la question habituelle, RM qui nous dit bonjour, ça fait un bail. Eh bien oui, ça fait un bail, mais ça n'est pas grave, vous êtes bienvenue. Joshua, bonjour. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Luciana a le même problème avec son voisin. Qui fait des... C'est pas mal. Je suis pas timide, je suis paresseuse, nous dit Ice Cubes. Allez, souvenez-vous qu'aujourd'hui, je vais bien sûr vous proposer des films angéliques, grands classiques des années 60. Et il faut l'avoir vu. Il y a toute une série d'angéliques hein, que vous pouvez découvrir, mais c'est un grand classique du cinéma français. Angélique, Marquise des Anges. La chanson du jour, eh bien c'est une chanson de MC Solaar que j'aime personnellement beaucoup. Et la chanson, c'est une chanson extraite de son dernier album, il y a quelques années déjà, qui s'intitule Les Mirabelles. Une très belle chanson à mon avis, c'est l'histoire d'un village pendant la Première Guerre mondiale. Et je vous invite vraiment à écouter la chanson. Comme d'habitude, chercher les paroles et travailler sur la langue comme ça. C'est vraiment une histoire très intéressante. Alors c'est du rap, bien sûr, vous aimez, vous n'aimez pas, mais les textes sont très bien écrits et l'histoire est très intéressante. Voilà. Souvenez-vous que toutes les chansons que je vous propose sont bien évidemment dans la playlist du live que vous pouvez trouver voilà, à l'adresse suivante. Je vous donne ça normalement dans le chat, ça devrait arriver. Voilà, dans un premier temps, la playlist des chansons et aussi les 3 plateformes que vous pouvez utiliser pour, eh bien, tout simplement pour regarder, louer, acheter les films que je vous propose. Allez, le défi du jour, et oui, Sherilyn a posé la question, hein, elle a demandé, mais combien de kilomètres? Ice Cubes a répondu, Ice Cubes nous a dit 3 kilomètres. Eh bien, j'ai fait un tout petit peu plus, mais ça reste très, très modeste, un petit peu moins qu'avant, oui. J'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, donc je n'ai fait que 5 km, mais je n'abandonne pas, je continue toujours. 5 km, c'est pas mal quand même, non? Allez, Les Grandes Vacances, un des films de Louis de Funès que personnellement je préfère. À mon avis, il est formidable ce film. Bonne comédie de Louis de Funès des années 60, un petit peu innocent, une certaine insouciance et un jeu... Comme d'habitude, avec Louis Funès, c'est toujours amusant. Allez, la phrase du jour, s'il vous plaît. Comme d'habitude, une phrase pour me résumer votre journée ou la journée d'hier, si c'est le matin pour vous. Allez-y. Alors, Julia qui est très généreuse, qui dit « j'ai fait 5 km aussi, alors ça fait 10 km ensemble ». C'est vrai qu'on peut voir ça comme ça, mais bon, il faut quand même essayer d'aller un petit peu plus, parce que là, 5 km, c'est pas raisonnable. Mais franchement, aujourd'hui, c'était difficile hein, quand même. Fatima, bonjour. Estina nous rejoint, bonjour aussi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le « like ». On va essayer, c'est un petit peu difficile en ce moment, d'arriver quand même à 100 likes. Johanna aussi, s'il vous plaît, bonjour. Et on clique, hein, on clique, on clique. Alors, J. Vincent commence et qui nous dit « Aujourd'hui, le soleil du matin est très brillant. J'espère qu'il fera enfin assez chaud pour s'asseoir dehors. » J. Vincent, la patience est importante. Il faut être patient dans la vie. C'est pas toujours facile. Mais on essaye, c'est ça le plus important. Cosmina, un jour de nettoyage et de bruit avec la machine à laver et l'aspirateur. Je prépare la perceuse et le marteau. Alors Cosmina, si vous avez une perceuse et un marteau, il faut aller dire bonjour à mon voisin. Et peut-être que vous pouvez éventuellement percer avec lui. Ça lui ferait très très plaisir. Stardust, j'ai marché longtemps aujourd'hui. J'ai fait 19 500 pas. C'était très épuisant, mais je l'ai fait. Parfois, tu dois faire ce que tu as à faire. Ah bah oui. Quand il faut le faire, ben, il faut le faire. Annabelle qui dit, c'est le jour pour se reposer. Donc ça va bien, merci. Et vous, ça va pas mal. Ça va pas mal du tout, Annabelle. Merci de poser la question. Yossi, suite à votre recommandation, j'ai regardé aujourd'hui le film La piscine, qui était très intéressant. Ah, c'est un grand classique. Hein. Le retour en grâce de Romy Schneider, parce qu'elle avait une période difficile avant. Et après, elle commence avec tous les autres films de Claude Sautet. Donc, c'est vraiment le retour de Romy Schneider. Et surtout, une histoire un peu particulière parce qu'elle n'était plus avec Alain Delon à l'époque. Alain Delon lui demande de revenir pour le film, bien sûr. Ensuite, Luciana, je n'ai pas fait d'exercice, mais je viens de prendre un peu de soleil, et ça, c'est important. Daria qui nous rejoint, salut, comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va bien, et vous, Daria, qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant? Victoria Possé, une bonne matinée avec le soleil et la préparation des papiers pour les impôts. Ah, ça, c'est toujours amusant, les impôts. C'est toujours amusant. Facti qui nous dit « Aujourd'hui, j'ai bien mangé. » Et ça, c'est important. Il faut bien manger dans la vie. Lynn, moi, j'ai fait 11 km hier, mais sur mon vélo. Eh, Lynn, formidable. C'est bien. Motivons-nous ensemble pour faire un petit peu de sport, ça fera pas de mal. Omar, samedi, relax. J'ai regardé du tennis à la télévision. Il pleut. Bah oui. Oui, hier soir, j'ai préparé des boulettes suédoises. Les fameuses boulettes suédoises. Johanna, dès le matin, j'ai eu des devoirs avec mes enfants. Puis on est sortis tous dans la cour car il y a encore un grand soleil dans le ciel. Daria qui nous dit qu'elle fait de la danse. Bravo, danse moderne, danse classique, du ballet peut-être. Johanna, on a lu un peu aussi assis sur le banc et ensuite on a joué un peu au football. Vers midi, j'ai préparé le déjeuner de la polenta, poisson et bien sûr une mousse d'ail avec un peu de jus de citron. Waouh, ça c'est pas mal, ça donne faim. Renato, aujourd'hui je me suis réveillé plus tôt en écoutant la pluie qui tombait très fort. Mais ça peut être sympa le bruit de la pluie. Pas tout le temps, mais un peu. Ice Cubes, il fait beau aujourd'hui, j'ai regardé un film après retourner au parc chez moi, c'était touchant. Maintenant je bois un café et je t'écoute. 3 km, hein, pas mal Ice Cubes, c'est bien, c'est bien. On se motive. Julia, et vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien écoutez, j'ai fait mes 5 km, j'ai écrit, j'ai préparé, j'ai fait des choses sympathiques, j'ai discuté avec Nicolas. La vie est tranquille. RM, aujourd'hui, c'est une journée consacrée aux loisirs. Je vais aller jeûner avec la famille, déjeuner peut-être. Puis on fera n'importe quoi, quelle autre activité décontractante. Yann Arte, bonjour. Yann Arte, comment ça va? Vous, Slad, bonjour, bonjour. On clique sur le like, s'il vous plaît. Yossi qui nous dit qu'il a fait 32 km avec la voiture, 0 à pied. Ah ben c'est bien, et puis c'est pas fatigant, c'est ça l'avantage. Fatima, tout va bien aujourd'hui? Hier j'ai fini de regarder les damnés de la commune. Alors qu'est-ce que vous en... La fin est terrible, hein. Quand on explique et on voit la tragédie et l'ampleur de la tragédie, c'est quelque chose d'assez important, cet événement de la commune. Brahim, je vais rencontrer mon ami pour aller me promener. Marcia, c'est une belle journée aujourd'hui, une bonne journée pour étudier le français. Super. Chériline, j'ai fait la grasse matinée et j'ai continué à travailler. Chériline, c'est une staccanoviste, on le sait. Mélissa Madrid, une journée tranquille, rien de spécial. Allez, merci beaucoup. Et on attaque avec la personne du jour. La personne du jour, eh bien, c'est bien évidemment Baudelaire. C'est bien évidemment Baudelaire puisqu'il y a quand même un petit peu un anniversaire en 2021. Baudelaire, eh bien, on attaque. Si vous voulez bien, on va attaquer avec la première chose. Une petite seconde. Une petite seconde. Et voici. Charles Baudelaire est un poète français né à Paris le 9 avril 1821. Il meurt dans la même ville le 31 août 1867. Charles Baudelaire est un poète français né à Paris le 9 avril 1821, il meurt dans la même ville le 31 août 1867. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Benter Dongo nous rejoint. Bonjour Benter, comment ça va? Alors, trois choses, hein. Comme d'habitude, nous étions à la recherche, premièrement, eh bien, de poète, qui est au masculin ici, donc vous l'écrivez P-O-E, accent grave, T-E, c'est poète. Ensuite, c'est le verbe mourir qu'on utilise ici au présent. Meurt, troisième personne du singulier, il, M-E-U-R-T. Faites attention, c'est vraiment le verbe meurt, 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 meurt. Si vous écrivez mort, c'est le substantif, c'est le nom. C'est complètement différent. Ici, c'est le verbe conjugué à la troisième personne. Il meurt, M-E-U-R-T. Ensuite, c'est même, même, vous l'avez bien écrit, félicitations, M-E, accent circonflexe, M-E, même. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant, eh bien, Baudelaire, puisque vous voyez que c'était il y a quelque temps, mais c'est l'anniversaire, c'était hier son anniversaire pour la naissance. Il occupe une place considérable parmi les poètes français pour un recueil qui leur a façonné sa vie durant, Les Fleurs du Mal. Il occupe une place considérable parmi les poètes français pour un recueil qui leur a façonné toute sa vie durant, Les Fleurs du Mal. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Yohann qui dit la musique d'aujourd'hui est bonne pour mon goût, ça me donne envie d'attaquer le dimanche en pleine forme. Oui, il y a eu deux jours de piano qui étaient un petit peu tristes, mais là, on doit finir en beauté. Voilà, et puis un côté assez intéressant quand même finalement de parler de Baudelaire et d'avoir un petit peu de musique électronique. C'est aussi pour montrer que finalement tout ça, ça évolue, mais ça reste la même chose. Allez, trois choses comme d'habitude. La première chose, c'est le verbe occuper au présent, troisième personne du singulier, occupe, O-C-C-U. P-E. Ensuite, un adjectif, l'adjectif considérable. Considérable, masculin ou féminin, on l'écrit de la même façon. C-O-N-S-I-D-E, accent aigu, R-A-B-L-E. Et puis la dernière chose, c'est le mot recueil. Le mot recueil, eh bien c'est un mot masculin, comme vous pouvez le voir, et on l'écrit R-E-C-U-E-I-L. Recueil, recueil. Allez, troisième chose concernant Monsieur Baudelaire qui en a fait souffrir plus d'un. Je me souviens que j'ai passé Les Fleurs du Mal au bac. Et peut-être que j'étais trop jeune pour comprendre à l'époque. Je ne sais pas. Au cœur des débats sur la fonction de la littérature de son époque, Baudelaire détache la poésie de la morale. Au cœur des débats sur la fonction de la littérature de son époque, Baudelaire détache la poésie de la morale. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît, merci. Alors, Olga nous rejoint. Bonjour Olga, comment ça va ? Allez, regardons ça ensemble. Nous étions à la recherche de trois choses. Attendez une petite seconde, voilà. La première chose, eh bien, c'est le mot « débat », hein. C'est un substantif. C'est pour votre information, c'est masculin. Un débat, ici, c'est au pluriel. Au pluriel, ça veut dire avec un « S » à la fin, « D », « E » accent aigu, « B », « A », « T », S. Et puis ensuite, un deuxième substantif, c'est époque. Époque, c'est un mot féminin, une époque, et on l'écrit E, accent aigu, P-O-Q-U-E. Et finalement, un troisième substantif, et c'est morale. Vous voyez ici que c'est féminin, la morale, M-O-R-A-L-E. Allez, on continue, numéro 4. Numéro 4. Comme le suggère le titre de son recueil, il a tenté de tisser des liens entre le mal et la beauté, le bonheur fugitif et l'idéal inaccessible, la violence et la volupté. Comme le suggère le titre de son recueil, il a tenté de tisser des liens entre le mal et la beauté, le bonheur fugitif et l'idéal inaccessible, la violence et la volupté. Allez, écrivez-moi, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Allez, comme c'était un petit peu plus généreux, je vous ai mis 4 mots. La première chose, eh bien, c'est le verbe suggérer. Suggérer, ici, vous le conjuguez bien sûr à la troisième personne du singulier du présent. Suggère, S-U-G-G-E, accent grave, R-E. Faites attention, le verbe suggérer fait partie de ces verbes un petit peu compliqués pour les accents. Je, tu, il. Il au pluriel, accent grave, nous, vous, accent aigu. Regardez la conjugaison si ça n'est pas encore bien clair. Deuxième chose, c'est un verbe. Le verbe est à l'infinitif et c'est le verbe tisser. T-I-S-S-E-R. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est fugitif. Fugitif doit être au masculin, puisqu'il est lié au mot bonheur. Bonheur est masculin, le bonheur fugitif, avec un F à la fin, F-U-G-I-T-I-F. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est volupté. Volupté, c'est un mot féminin que vous écrivez, V-O-L-U-P-T-E. Accent aigu, la volupté. Allez, encore une chose sur notre ami. Il a écrit des poèmes graves ou scandaleux et il a exprimé la mélancolie, l'horreur et l'envie d'ailleurs à travers l'exotisme. Il a écrit des poèmes graves ou scandaleux, et il a exprimé la mélancolie, l'horreur et l'envie d'ailleurs à travers l'exotisme. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Ange Gabriel nous rejoint. Bonjour, comment ça va? On finit notre exercice sur Baudelaire. Allez, on est à la recherche de trois choses. La première chose, adjectif. L'adjectif, c'est scandaleux. Scandaleux doit être au masculin, puisqu'effectivement, ici, il est connecté à poème. Poème, c'est masculin et c'est pluriel ici. Scandaleux, vous l'écrivez S-C-A-N-D-A-L-E-U-X. Scandaleux, si c'était féminin, ce serait scandaleuse. E-U-S-E-S au pluriel, puisqu'ici, c'est au pluriel. Ensuite, c'est un substantif, la mélancolie. Faites attention, mélancolie, regardez bien, donc féminin, M-E accent aigu, L-A-N-C-O-L-I-E. Le E final est bien sûr muet, la mélancolie. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est travers. L'expression, c'est à travers, travers S final que vous ne prononcez pas, T-R-A-V-E-R-S, à travers. Et bien voilà, si vous aimez les défis, je vous invite à lire bon, Les Fleurs du Mal, ça pourrait être une bonne entrée. C'est un petit peu le recueil de références de Baudelaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable quand on le lit, quand on est adulte. Quand on est jeune, je crois que c'est assez difficile de vraiment de rentrer dans ce que Baudelaire a écrit. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Bon, on continue. Dites-moi s'il vous plaît, quelle est la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous réveillez? Quelle est la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous réveillez? Une phrase s'il vous plaît, merci. Alors Douglas qui nous dit « La première chose que je fais quand j'arrive ici, c'est de donner un clic sur le bouton j'aime ». Eh bien merci beaucoup Douglas, c'est très gentil. Alors c'est Omar qui commence et qui nous dit « La première chose à laquelle je pense, c'est tout simplement... » Quelle heure est-il? Eh oui, eh oui. Ah donc Omar, c'est un homme qui se lève avec le soleil. Il ne se lève pas avec un radio-réveil, avec un réveil, avec un téléphone. Non, il ne sait même pas quelle heure il est. Eh bien ça, c'est pas mal, Omar. Gloria qui dit qu'elle pense à la prière. Ensuite, alors, Scoobham qui nous dit qu'elle se réveille, d'accord. Hilary qui dit... un grand classique. Vous vous réveillez, vous dites « Je veux me rendormir ». Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a certains matins où, clairement, on peut repartir si c'est possible. Avec les enfants, c'est toujours un peu compliqué quand même. Mélissa Madrid qui dit « Je me demande, est-ce qu'il y a du pain ?» Est-ce que le pain, c'est loin après ? Il faut marcher, il faut s'habiller. Moi, c'est le café en général. Ange Gabriel, je pense que à mon téléphone, mais j'essaye de l'arrêter et ça ne marche pas. Engagé. Il faut faire comme ça, il faut snoozer. Hein, vous snoozez comme ça. Fatima, je vais courir et faire mon café. Ah bah oui. Milad qui nous dit qu'il voilà, se rendormir. Et oui, il faut se rendormir si c'est possible. Michel qui nous dit elle se lève, très bien. Alberto, je pense au bonheur de commencer une nouvelle journée. Eh bien ça c'est vrai que c'est bien. Chéryline qui... Chéryline, elle se réveille et elle dit mais qu'est-ce qui se passe avec les souris? Est-ce qu'elles ont encore pris du poids? Moi, je suis comme les souris. Peut-être qu'il faut les faire courir. Vous n'avez pas une petite roue pour les faire courir? Ça marche, non? Yossi qui dit, je pense, quelle heure est-il? Douglas, je pense au petit déjeuner, mais j'espère quelques heures pour accomplir mon fasting. J. Vincent, j'espère de penser qu'il est trop tôt pour laisser le chien dehors. Il aboie beaucoup. Ah, ben oui. Benter qui nous dit « Je pense comment je vais profiter du jour ». Eh ben ça, c'est bien. Stardust qui dit « Aujourd'hui, je ne mourrai pas. Je le pense tous les matins, même quand je suis malade ou que je me sens mal. » Moi aussi, je me dis « Tiens, je suis vivant. Yeah !» La journée commence. Marcia qui dit « Je dois me lever. » Oh mon Dieu. Eh oui, c'est dur. Vouslat, je clique avant de participer. Et c'est devenu une habitude pour moi. Vous pensez à ça? C'est pas raisonnable. Yann Arté qui dit « La première question, c'est « Est-ce qu'il fait beau ?» Eh oui, ça c'est une bonne question. Luciana, ça c'est pas mal aussi comme... Mais quel jour sommes-nous? Ça veut dire que vous avez bien dormi, Luciana. Quand on oublie le jour, c'est plutôt une bonne indication, je pense. Ice Cubes, le week-end, je me suis réveillé avec des sons des oiseaux. Et j'ai pensé à regarder à la fenêtre s'il fait beau dehors. Victoria Possé, la première chose à laquelle je pense, c'est de prendre mon premier café. Eh oui, moi aussi. Le premier qui enchaîne sur un deuxième, un troisième, et après on se dit, on fait une pause. Vous, Slat, je pense à préparer le café et le petit déjeuner. Annabelle qui dit, ce jour est écrit et fixé. Je choisirai de penser correctement. Ah, vous êtes fataliste, Annabelle. Il y a un livre de Diderot qui s'appelle Jacques le Fataliste, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune. Ice Cubes, mais en général, je pense à me préparer pour aller au travail. Lynn, la première chose à laquelle je pense quand je me réveille, c'est quel jour nous sommes. Chérie Lynn, j'exerce la moitié de mes souris. Les grosses souris, on dit les souris fortes. Soyons politiquement corrects, on ne dit pas les souris grosses, on dit les souris fortes sont en meilleure forme que les homologues minces. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Oh, d'accord. Douglas, je pense aussi comment je vais profiter du jour quand je bosse pour gagner de l'argent sans essayer. C'est pas facile. Et Renato qui nous dit comme ça, vous ne le voyez pas, regardez, comme ça Renato qui s'étire. Eh bien ça c'est très très bien comme ça. Renato est flexible. Merci. Allez, on y va. Trouvez un mot, s'il vous plaît. Trouvez-moi un mot qui commence, eh bien, avec les lettres CH. Un mot qui commence avec CH. J'attends vos mots avec impatience. Allez, Jeanne nous rejoint. Bonjour Jeanne, comment ça va? On n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton like, mais ça va être difficile. En ce moment, c'est difficile, hein. C'est très intéressant ce phénomène. Ange Gabriel qui nous dit un chou. Omar qui nous dit changer. Yann Arté qui nous dit change. Effectivement, le verbe changer qui est conjugué. Benter qui nous dit le chocolat. Yossi qui nous dit une chemise. Ange Gabriel qui nous dit le charme. Michel qui nous dit chérie. Effectivement, alors ça c'est le masculin. Chérie au féminin, c'est la même prononciation mais avec un E à la fin. Cincine qui nous dit une chemise. Mélissa Madrid qui nous dit chérie aussi. Renato qui nous dit un chimiste ou une chimiste. Les deux s'écrivent de la même façon. Hilary qui nous dit cher, effectivement. Julia qui nous dit un chapiteau. Eh oui, comme pour le cirque. Alberto qui dit un chiffre. Attention Alberto, c'est masculin. Gloria qui nous dit un chandelier. Eh oui. J. Vincent qui nous dit un chien masculin. Féminin, une chienne. C'est H-I-E-N-N-E. Luciana qui nous dit un château, enfin des châteaux au pluriel. Fatima qui nous dit chouette. Alors chouette, c'est un animal, nous sommes d'accord, une chouette, mais c'est aussi, souvenez-vous, un adjectif qu'on utilise moins maintenant pour dire sympa, super. Ma génération, quand j'étais petit, on utilisait facilement chouette, c'est super, c'est sympa. Ice Cubes qui nous dit chinois. Vouslat qui nous dit châtaigne. Une châtaigne, effectivement. Ça, c'est bon. Hein. Alors là, les châtaignes, si vous aimez les manger, on peut les préparer vraiment de différentes façons. C'est formidable. Stardust, champignons, c'est pareil. On va encore parler de nourriture. Un champignon, c'est délicieux. Lynn, un chat. Stella, bonjour Stella, comment ça va? Cosmina, Charclay, d'accord. Annabelle qui nous dit un château. Sheriline, encore une fois. Alors, comment est-ce qu'on prononce? Je ne connais pas votre mot. Chilomicron ou kilomicron, est-ce que c'est un kiki? Parce que des fois, le CH, on le prononce en qui. Johanna qui nous dit une chatterie. Douglas qui nous dit chaud. Athé qui nous dit choqué, adjectif au masculin. Milad qui dit un chapeau, attention, A-E-A-U. Olga qui nous dit chimique. Et Victoria Possé qui nous dit un championnat. Merci beaucoup, mais regardez, Jeanne, c'est pour vous. Un grand merci à Jeanne qui m'offre ce dont j'ai besoin pour boire un café. Eh bien voilà, merci Jeanne, merci beaucoup, c'est très très gentil. Allez, on continue. Film intéressant de Jacques Demy, si vous l'aimez, c'est toujours intéressant. Bah Lola quoi, avec Anouk Aimé. Anouk Aimé, c'est toujours une bonne actrice, c'est quelqu'un et un personnage vraiment très très intéressant. Si vous voulez découvrir Anouk Aimé, regardez quelques interviews, elle a toujours des choses très intéressantes à dire. Allez, on On y va, si vous voulez bien. Un petit peu d'histoire avec cet événement historique. On en avait parlé assez rapidement une fois. Je me suis dit, pourquoi ne pas en parler d'une façon un petit peu plus détaillée. Et on va parler de la vente de la Louisiane. La vente de la Louisiane, un événement historique assez intéressant. Julia qui a vu mon oncle, c'est pas mal, hein, mon oncle. Eh oui, ça est très très poétique. Vraiment, il y a tellement de choses incroyables chez Tati. Mais bon, la vente de la Louisiane, on y va. Ça, c'était la Louisiane avant qu'on la vende. Et on va commencer comme d'habitude avec quelques points historiques. Vous allez bien sûr chercher les mots qui manquent. La vente de la Louisiane est la cession en 1803 par la France de plus de 2 145 000 km² de territoire aux États-Unis. La vente de la Louisiane et la cession en 1803 par la France de plus de 2 145 000 km² de territoire aux États-Unis. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merci. Alors, regardons. Trois choses que nous cherchons. La première chose, eh bien, c'est un substantif, hein, et c'est le substantif vente qui est féminin. On l'écrit V-E-N-T-E, la vente. Deuxième chose, encore un substantif, et c'est féminin. Cession, vous l'écrivez C-E-S-S-I-O-N, la cession, l'acte de céder quelque chose. Et puis finalement, c'est territoire. Pour votre information, territoire, c'est masculin. Un territoire, le territoire, on l'écrit T-E-R-R-I-T-O-I-R-E. Le territoire, qui est très très proche de terre, hein, qui fait partie de la même famille. Allez, on continue avec la deuxième chose. Ce territoire représente 22,3% de la superficie actuelle des États-Unis. En effet, la colonie française de Louisiane comprend beaucoup plus de territoire que l'État actuel de Louisiane. Ce territoire représente 22,3% de la superficie actuelle des États-Unis. En effet, la colonie française de Louisiane comprend beaucoup plus de territoire que l'État actuel de Louisiane. Excusez-moi, c'est mon voisin. Avec la perceuse, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît, merci. Allez, on regarde ensemble, on est à la recherche de quatre choses. Première chose, eh bien c'est le verbe représenter que l'on conjugue ici au présent à la troisième personne du singulier et c'est représente R-E-P-R-E, accent aigu, S-E-N-T-E. Ensuite, c'est superficie, c'est un substantif qui est féminin, la superficie. Vous l'écrivez S-U-P-E-R-F-I-C-I-E, le E final est totalement muet. Ensuite, comprendre, le verbe du troisième groupe que l'on conjugue ici à la troisième personne du singulier, comprend, C-O-M-P-R-E-N. Et puis la fin, c'est territoire, hein, encore une fois, mais là, c'est au pluriel, et donc vous devez mettre le S à la fin. C'est toujours masculin, masculin pluriel, T-E-R-R-I-T-O-I-R-E-S. Très bien, Chéryline, je pensais que le bruit provenait d'une machine à espresso. Ah non, c'est une machine à espresso qui fait des trous dans les murs. Ah non, c'est mon voisin. Mais je pense qu'il va avoir un très très bel appartement et ça me fait plaisir pour lui. Allez, on continue. À l'époque, sa population totale, hors amérindien, était alors d'environ 60 000 habitants. À l'époque, sa population totale, hors amérindien, était alors d'environ 60 000 habitants. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, population. Là, maintenant, vous savez que c'est féminin. Les mots en ion, on en a vu beaucoup, donc c'est féminin. Une population, la population, sa population. P-O-P-U-L-A-T-I-O-N. Population amérindien, s'il vous plaît, avec une majuscule, puisque nous parlons des gens. Ici, on ne l'utilise pas comme adjectif, on l'utilise comme substantif. Donc, majuscule, A, M, E, accent aigu, R, I, N, D, I, E, N, S. Et puis ensuite, la dernière chose, c'était environ. Ça, vous l'écrivez bien. Attention, pas de S à la fin, c'est vraiment environ. E, N, V, I, R, O, N. Environ. Environ 60 000 habitants. Mais une petite chose, bien sûr, une petite chose. Alors, un très grand merci à quelqu'un qui me fait un cadeau. Je ne peux pas malheureusement lire votre nom, je m'en excuse, mais je vous dis un grand, grand merci. C'est toujours très sympathique, ça me fera un café supplémentaire que je vais boire en pensant à vous et en vous remerciant. Merci. On continue avec le numéro 4, si vous voulez bien. Numéro 4, regardez. La vente de la Louisiane est financée par la banque Barings qui organise le paiement de 60 millions de francs, 11 250 000 $. La vente de la Louisiane est financée par la banque Barings qui organise le paiement de 60 millions de francs, 11 250 000 $. Écrivez s'il vous plaît les mots qui manquent. Allez, si on regarde ensemble, encore une fois, on est à la recherche de trois choses. La première chose, financer. Alors ça, c'est important, regardez, ça doit être au féminin, puisque nous parlons de la vente, d'accord? La vente, c'est féminin, donc financer devra être automatiquement au féminin avec un E à la fin, d'accord? F-I-N-A-N-C-E, accent aigu. Ça, c'est la version basique, plus le E pour le féminin, financer. Ensuite, c'est le verbe organiser. Organiser ici, tout simplement à la troisième personne du singulier, puisque c'est la banque. Et puis, on l'écrit O-R-G-A-N-I-S-E. Et puis, finalement, paiement. Faites attention, hein, mais vous l'avez bien écrit. Ouais. Paiement, hein, on l'écrit vraiment P-A-I. E, qui est totalement muet, M-E-N-T. P-A-I-E-M-E-N-T. Le paiement. Allez, on continue avec numéro 5. Numéro 5, Julia posait la question, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Vous avez la réponse. Cela permettra à Napoléon Ier de lever des troupes importantes pour acquérir dans les années 1805, 1807, la suprématie sur la majeure partie de l'Europe, l'Autriche et la Prusse étant battues. Cela permettra à Napoléon Ier de lever des troupes importantes pour acquérir dans les années 1805-1807, la suprématie sur la majeure partie de l'Europe, l'Autriche et la Prusse étant battues. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, je regarde. Donc là, on était à la recherche de quatre choses. La première chose, c'est le verbe permettre. Ici, le verbe permettre doit être au futur simple, troisième personne du singulier, permettra. Vous allez l'écrire P-E-R-M-E-T-T-R-A. Permettra. Tiens, maintenant c'est l'église, la cloche de l'église qui sonne. Entre la perceuse et l'église, voilà où nous sommes. Deuxième chose, c'est un verbe à l'infinitif et le verbe c'est acquérir. Acquérir, vous allez l'écrire A-C-Q-U-E, accent aigu, R-I-R, acquérir. Troisième chose, c'est un substantif et c'est suprématie. Hein, souvenez-vous, T-I-E, vous allez le prononcer si, suprématie. Vous l'écrivez S-U-P-R-E, accent aigu, M-A-T-I-E. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est battu. Alors battu, nous devons le mettre au féminin pluriel, puisque nous parlons de l'Autriche. L'Autriche est un pays féminin, et la Prusse est un pays féminin aussi, donc c'est féminin pluriel, B-A-T-T. B-A-T-T-U-E-S. Battu. Voilà, voilà. Allez, on continue avec le numéro 6. Le numéro 6... J'ai vu quelque chose d'intéressant. Mourad qui dit boycott les produits français. Alors Mourad, produit c'est masculin. Donc français doit être au masculin pluriel et pas française. D'accord? Parce que c'est masculin. Pourquoi Mourad? Expliquez s'il vous plaît la raison pour laquelle vous voulez boycotter les produits français. J'attends votre explication, ça m'intéresse. Merci Mourad. On continue si ça ne vous dérange pas. Je suis rebeu et fier de... Mais c'est très bien, Mourad. Et c'est très bien. Et je suis fier pour vous également. Tout le monde est fier d'être qui il est. Allez, on continue. L'achat de la Louisiane entraîne les États-Unis et l'Espagne dans une querelle sur les frontières du territoire acquis par les États-Unis. L'achat de la Louisiane entraîne les États-Unis et l'Espagne dans une querelle sur les frontières du territoire acquis par les États-Unis. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Mourad qui me respecte. Mais moi aussi, je vous respecte, Mourad. Et c'est ça qui est très important dans ce monde. On doit tous se respecter et tout ira bien. Et il n'y a pas de problème. Respectons-nous. Alors, trois choses que nous cherchons. La première chose, c'est achat. Alors, achat, c'est intéressant parce que c'est le substantif du verbe acheter. D'accord? C'est masculin, un achat. Vous l'écrivez A-C-H-A-T. La deuxième chose, c'est une querelle. Une querelle, eh bien c'est un mot, un substantif féminin. Et vous voyez qu'on l'écrit Q-U-E-R-E-L-L-E. Et puis la dernière chose, eh bien c'est acquis. Alors acquis, c'est très très intéressant puisque finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le participe passé d'acquérir. Et donc vous l'écrivez A-C-Q-U. U-I-S. Donc, acquis, on ne prononce pas, bien sûr, comme d'habitude, le S final. Voilà. Alors, regardez. Germinal, grand classique de Zola, si vous préférez regarder le film plutôt que de lire le livre, qui est assez généreux en termes de pages, eh bien c'est un grand classique aussi du cinéma. Claude Brasseur, pas mal quand même. Alors, Johanna qui dit dans le mot « respecter », est-ce qu'on doit lire la lettre « C » au milieu du mot ? Oui. Alors, faites attention, Johanna. C'est-à-dire que quand on parle du verbe, et là, vous posez la question sur le verbe, oui, on le prononce. Respecter. Quand vous conjuguez « je respecte »,« tu respectes »,« il respecte »,« nous respectons »,« vous respectez »,« il respecte »,« elle respecte ». On le prononce. Quand vous parlez du substantif, et là faites attention, le substantif, le respect, le C final est totalement muet et c'est vraiment un E final. Le respect, ça c'est le substantif. Le verbe, comme je vous ai dit, on y va et on le prononce. Voilà. Allez, on avait parlé de la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous levez. Bien sûr, je vous pose logiquement l'autre question. Quelle est la dernière chose à laquelle vous pensez avant de vous endormir? Avant de dormir, vous pensez à quoi? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Stardust nous rejoint. Stardust avait des problèmes Internet. Mais que se passe-t-il, Stardust? Allez, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Nous ne bougeons pas, en tout cas moi. Même si le voisin, bzz, il est avec la perceuse et l'église fait ding-dong, je suis là. Cosmina qui nous dit... Alors, mais je suis aussi fatigué que je ne réalise pas quand je me suis endormi. Ah donc Cosmina, quand elle s'endort, ça fait poum. Pas le temps de réfléchir. Pas le temps de réfléchir, paf, elle s'endort comme ça. Alors Jane qui nous dit, je pense à mon travail. Ouais, faites attention Jane, Jane Caroline, on dit je pense à, hein, préposition, je pense à mon travail. Johanna, je pense aux responsabilités ou bien aux choses importantes à faire le lendemain. Eh bien voilà, c'est une personne très très sérieuse, Johanna. Maria qui nous dit, je pense à quoi je mangerai demain matin. Et oui! Et ça, c'est important. Maria, il faut savoir ce qu'on va manger. C'est important. Ange Gabriel qui dit « Je pense à l'avenir ». Ensuite, Aziz qui dit « Avant de dormir, je pense à quelle heure de demain est de présenter ». Est-ce que c'est pour vous réveiller peut-être, Aziz? Mourad, je pense à l'argent et je veux être comme un milliardaire. Mais oui, Mourad, il faut trouver des solutions. Si c'est votre objectif, Mourad, c'est possible. Il faut vous motiver. Et si vous vous dites « je vais réussir », ça va marcher. Chériline. Alors Chériline, quand elle s'endort, elle pense à ses souris. Et quand elle se lève, elle pense à ses souris. Que se passe-t-il, Chériline? Il faut trouver cette solution parce que sinon, ça va être un petit peu stressant. Vous, Slat, Vincent en haut, j'ai voulu dire que je clique sur le like avant de participer à notre cours. Mais c'est gentil, vous, Slat. Merci beaucoup, j'avais compris. Fatima. Je n'ai pas bu de champagne aujourd'hui, quel dommage. Ah oui, c'est ça, avant de vous endormir. Mais il n'est jamais trop tard, Fatima. Hop, vous vous réveillez, pouf, une petite coupe avant de s'endormir. Après, on fait des beaux rêves garantis. Olga, c'est la même chose, que je remercie Dieu pour cette extraordinaire journée. Stardust, je pense aux gens que j'aime et qui sont proches de moi. Très bien. Hilary qui dit « Ah oui, je dois me lever à quelle heure demain ?» Très bien. Mais c'est pas tous les jours la même chose, Hilary? Souvent, c'est la routine. Souvent, c'est tout le temps la même heure. Désiré, je pense aux êtres qui me tiennent à cœur et ce que j'ai accompli pendant la journée. Ben, ça, c'est bien. Alberto, je pense que cette journée a été tout simplement merveilleuse. Vouslat qui dit « Je pense à ce que j'ai appris ce jour-là ». Ben écoutez, c'est très très bien. Alors, Maria qui est très très en forme. Tranquille Maria, tranquille. Riena, je pense à l'histoire que j'écoute. Annabelle, ce piano instrumental et l'odeur de la lavande. J'ai oublié tous ceux qui m'ont fait mal. Ah bah oui, 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 il faut oublier, Annabelle. Il ne faut pas s'endormir avec des idées noires. Oubliez toutes les choses terribles de la journée. Lynn, la dernière chose à laquelle je pense est de ne plus penser. Pouf! On débranche, on arrête et on dort. Renato, je me laisse quitter par mes inquiétudes. Très bien. Chérie Lynn, plus précisément, je pense aux mécanismes potentiels pour expliquer ce qui se passe avec mes souris. Bah oui, mais bon, ça marche pas pour l'instant. Luciana, je fais mes prières et je mets l'alarme. Parfois, je t'écoute. Ah bah il faut dormir avec ça. Ça peut faire dormir, c'est possible. Mélissa, je pense au mouton numéro 100. À 100. Le 101e mouton, vous ne le voyez pas. Mélissa Madrid, elle voit pas le 101e mouton, il n'existe pas. Johanna qui dit « Je suis Capricorne authentique ». C'est bien. Alors, Yesero, bonjour, comment ça va? Je pense aux choses que je dois faire le lendemain. Yann Arte, je pense que je vais faire un beau rêve. Ben oui, bien sûr. Victoria Possé, je pense que je me suis à nouveau endormie sur le canapé et que je dois aller au lit. Alors, Victoria Possé, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Je me suis endormi sur le canapé et je me suis réveillé à minuit. Et impossible de me rendormir. Donc j'ai préparé le cours pendant la nuit parce que j'ai pas pu dormir du tout. Mais oui, le canapé, c'est très très dangereux, le canapé. Alors, les risques du métier, c'est avec Jacques Brel. Jacques Brel est, bien sûr, le chanteur que vous connaissez peut-être tous, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aussi un interprète, c'est aussi un acteur. Il a fait des films qui ont été assez sympathiques quand même. Il y a des choses qui sont vraiment bonnes, des choses un petit peu plus légères. Ce film-là est vraiment très bon, à mon avis. Et je vous invite à le regarder si vous avez la possibilité. Alors, l'émission du jour, et justement, c'est l'émission pendant laquelle je me suis endormi sur le canapé hier. C'est une émission dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé de cette émission. C'est une émission que j'aime bien. J'aime bien, c'est léger, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. Et on parle de nourriture, et spécialement de pain. Et le pain, c'est quand même assez important. Donc, c'est la meilleure boulangerie de France. La meilleure boulangerie de France, nous allons la découvrir ensemble, c'est-à-dire découvrir cette émission. C'est une émission qui existe depuis déjà quelques années. Allez, on y va avec la première chose concernant ce programme que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir si ça vous intéresse. La meilleure boulangerie de France est une émission de télévision française diffusée sur la chaîne M6. La meilleure boulangerie de France est une émission de télévision française diffusée sur la chaîne M6. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Johanna, mettez une télé dans la chambre. J'en ai une, c'est plus commode. Ah, ça me dérange pas. Le canapé est très confortable. Ça ne me dérange pas de m'endormir sur le canapé ou de m'endormir autre part. Pas de problème. Eh bien, un deuxième merci à Jeanne qui m'offre encore un deuxième café. C'est très gentil. Merci beaucoup, Jeanne. Allez, on regarde ce qu'on était... on cherchait, en fait, on cherchait trois choses. Hein. La première chose, comme vous le voyez, c'est un substantif et c'est un substantif féminin, comme tous les mots en ion. Maintenant, normalement, c'est clair et on l'écrit accent aigu M-I-S-S-I-O-N. Une émission, une émission. Ensuite, diffuser. Diffuser ici doit être, bien sûr, au féminin. C'est au féminin parce que émission, eh bien, c'est féminin. Donc, diffuser, D-I-F-F-U-S-E, accent aigu, E. Et la dernière chose, eh bien, c'est le mot chaîne. Le mot chaîne, c'est un mot féminin et vous l'écrivez C-H-A-I. Si vous avez le circonflexe, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment pas la fin du monde. Il n'est pas très utile. N-E. Chaîne. Allez, on continue avec le numéro 2. Regardez le numéro 2. La meilleure boulangerie de France 2021 part dans 13 régions françaises et visite 130 boulangeries. La meilleure boulangerie de France 2021 part dans 13 régions françaises et visite 130 boulangeries. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merci. Alors, je regarde, et oui, ça commence à arriver, c'est pas mal. Faites attention parce que il y a plusieurs personnes qui ont fait l'erreur. Le premier part, attention, attention, c'est le verbe partir. Le verbe partir que l'on doit conjuguer ici à la troisième personne du singulier. Il, elle, part, puisque ici c'est l'émission qui part. P-A-R-T, le T final, souvenez-vous, est muet, mais vous devez l'écrire. Région, alors région c'est féminin, vous l'écrivez avec un S à la fin parce que c'est pluriel. R-E, accent aigu, G-I-O-N-S, pour le pluriel parce qu'il y en a 13. Et puis la dernière chose, eh bien c'est boulangerie. Boulangerie au pluriel puisque vous en avez 130. 130 boulangeries. Boulangerie, vous l'écrivez B-O-U-L-A-N-G-E-R-I-E-S. Boulangerie, voilà. Allez, on continue avec ce programme que j'adore mais qui me fait un peu dormir aussi. Ah, c'est comme ça, hein. C'est l'âge. C'est ce que je me suis dit. C'est l'âge et puis c'est comme ça. Parmi les spécialités à découvrir cette année, la tourte de Noirmoutier, le pain d'Anjou, le pain médiéval, le pain au Rio, le pain aux algues et aux huîtres. Parmi les spécialités à découvrir cette année, la tourte de Noirmoutier, le pain d'Anjou, le pain médiéval, le pain au Rio, le pain aux algues et aux huîtres. Allez-y s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Thank you. Allez, regardons les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est spécialité. Pour votre information, spécialité, c'est un mot féminin. Ici, c'est au pluriel, mais en tout cas, il est féminin. Une spécialité. Vous l'écrivez S-P-E, accent aigu, C-I-A-L-I-T-E, accent aigu, encore S pour le pluriel. Médiéval. Médiéval, c'est un adjectif. Et ici, l'adjectif doit être à la forme basique, c'est-à-dire qu'on ne le met pas ici au féminin, puisque pain c'est masculin, donc c'est la forme basique, c'est le masculin. M, E, accent aigu, D, I, E, accent aigu, V, A, L. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est les huîtres. Ici, c'est au pluriel. Pour votre information, huître, c'est féminin. Une huître, moi j'adore. Alors là, les huîtres, j'adore, c'est même dangereux. Je pourrais en manger trop et me rendre malade. C'est déjà arrivé. Huître doit être au pluriel, H-U-I. Si vous voulez mettre le circonflexe, mais clairement, c'est pas très grave, T-R-E. Et vous mettez le S parce que clairement, clairement, ça doit être au pluriel. Allez, on continue avec la quatrième chose. Quatrième chose concernant ce programme. Chaque jour, deux boulangeries d'une même région s'affrontent. La boulangerie gagnante obtient une place pour espérer représenter sa région en finale nationale. Chaque jour, deux boulangeries d'une même région s'affrontent. La boulangerie gagnante obtient une place pour espérer représenter sa région en finale nationale. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors Mourad, vraiment c'est dommage parce que vos questions sont intéressantes pour les gens qui habitent en France. Mourad, je n'habite pas en France. Je suis français, mais je suis un Français qui n'habite pas en France actuellement. Allez, on regarde les trois choses qui manquent. La première chose, c'est un verbe. C'est un verbe pronominal. Le verbe pronominal, c'est s'affronter. S'affronter. Ici, vous devez le conjuguer, bien sûr, au pluriel. Troisième personne du pluriel, vous l'écrivez A-F-F-R-O-N-T-E-N-T. Ensuite, regardez, c'est gagnante. Ici, gagnante, c'est intéressant puisque vous devez le mettre au féminin. Gagnant, ce serait la forme basique pour le masculin. G-A-G-N-A-N-T. Gagnant. Ici, vous mettez au féminin parce que c'est la boulangerie. La boulangerie, c'est féminin. Donc, vous allez écrire gagnante à la fin. G-A-G-N-A-N-T-E. Gagnante. Et puis, la dernière chose, c'est finale. Finale. Une finale, et vous l'écrivez F-I-N-A-L-E. Une finale. Allez, on continue avec la cinquième chose concernant cette émission formidable. Ah, c'est pas philosophique, hein, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parfois d'avoir des choses légères et qui ne demandent pas énormément de réflexion. Les boulangeries sont départagés par les membres du jury. Bruno Cormeret et Norbert Tarère. Les boulangeries sont départagées par les membres du jury. Bruno Cormeret et Norbert Tarère. Est-ce qu'on n'avait pas un Norbert là derrière ? Alors, je regarde Sherilyn qui est la première, mais Sherilyn qui a décidé de changer tout simplement le mot que j'avais lu. Bon. Oh, Sherilyn, vous savez, on peut toujours négocier. Tout est négociable ici. Bon, pourquoi pas? Ça pourrait être possible, en fait. Vous avez anticipé, c'était pas mal. Petit synonyme. Départager ici, ça doit être au féminin et au pluriel. Donc, regardons ensemble. D-E, accent aigu, P-A-R-T-A-G-E, accent aigu, E-S. Départager, d'accord? Souvenez-vous, on ne prononce pas le E pour le féminin, on ne le prononce pas pour le S, mais en tout cas, on doit l'écrire. Membre, ici, ça doit être au pluriel, M-E-M-B-R-E-S. Et le jury, qui est un mot masculin, vous l'écrivez J-U-R-Y. Le jury, d'accord? Très bien, donc et vous les voyez, hein, vous les voyez ici. Bruno est l'homme qui a ce petit col français comme ça, parce que c'est tout simplement pour indiquer que c'est le meilleur boulanger de France à une certaine période. Voilà. Les meilleurs ouvriers de France ont toujours ce petit col comme ça. Ça peut être le meilleur cuisinier, ça peut être le meilleur boulanger, le meilleur pâtissier. Vous les verrez souvent avec justement ce petit col tricolore comme ça. Voilà. Allez, on continue avec le numéro 6. Le numéro 6, regardez. Un road trip dans toute la France. Norbert Tarère et Bruno Cormeret parcourent 15 000 kilomètres. Un road trip dans toute la France. Norbert Tarère et Bruno Cormeret parcourent 15 000 kilomètres. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Sherilyn, je devrais nettoyer mes oreilles. Mais non! C'était bien. Et c'était pas mal, en fait. Non, non, votre version, elle était sympa. Alors, regardons ensemble. Je vous ai mis road trip parce que dans le document officiel de présentation de l'émission, c'est ce qu'on utilisait et je pense que c'est toujours important de vous communiquer les termes qu'on peut voir et qu'on peut utiliser assez facilement en français. Donc, bien sûr, c'est un anglicisme. Et c'est pas grave. Toute doit être au féminin, hein, parce que c'est clairement connecté à la France. Donc on va l'écrire au féminin, T-O-U-T-E. Ensuite, c'est le verbe parcourir. Le verbe parcourir que vous conjuguez ici, comme vous le voyez, ben, au pluriel. Troisième personne du pluriel, il, puisque c'est Norbert et Bruno. P-A-R-C-O-U. U-R-E-N-T. Il parcourt. Et puis kilomètre, ben, kilomètre c'est quand même important de savoir l'écrire. K-I-L-O-M-E, accent grave, T-R-E-S. On marque le pluriel parce que ça fait quand même 15 000. Et 15 000, ben, c'est pas mal. Allez, on continue avec à vous la parole et c'est à vous de me dire, eh bien, la personne avec qui vous aimez vous promener, qui est cette personne et surtout, pourquoi? qui est la personne avec qui vous aimez vous promener et pourquoi c'est cette personne et pas une autre. Allez, j'attends vos phrases avec impatience, bien sûr. Allez, c'est Omar. Omar commence et Omar nous dit « J'aime me promener avec ma femme parce qu'elle est la meilleure compagnie, bien sûr. » Très bien Omar, très bien écrit. Juste une toute petite chose Omar, souvenez-vous, meilleur, mettez le féminin à la fin. On l'entend pas, mais mettez le petit E parce que c'est quand même compagnie, et donc c'est féminin. Ange Gabriel, mes cousins, eh ben oui, parce qu'il me manque. Ange, s'il vous plaît, on met ENT pour manquer, parce que le sujet, c'est quand même il. Et ça, c'est une erreur classique, pas de stress, mais il me manque. Le il, c'est le sujet, hein, c'est pas me. D'accord, faites bien attention. Maria, j'aime me promener avec mes poules. Et ben là, je dis... Alors là, c'est formidable. Alors là, c'est formidable. Maria, il faut prendre une photo des poules. Je veux voir les poules, Maria. Donc, Kiki, Barge Beatty, Confetti et Ruby. Eh bien, je dis, vive les poules. Vive les poules. Jane qui nous dit, j'aime bien me promener avec n'importe qui. Ben Jane est très gentille, Jane Caroline. Benter, moi-même parce que je parle... Ah, je ne parle pas trop, c'est le temps de méditer. Ouais. Eh ben ça, j'ai discuté ça avec une amie. On peut être avec quelqu'un et silencieux, c'est possible aussi. Johanna, actuellement, j'aime me promener. C'est sans doute avec mes enfants. Mais s'il y avait une autre personne pour compléter notre petite famille, alors indubitablement, waouh, ça c'est de l'adverbe solide, hein. Indubitablement, ce serait juste parfait, rien de plus. Stella, généralement, j'aime me promener toute seule. Ben oui, parce que je peux me relaxer et réfléchir calmement. Ben ça, c'est pas mal. C'est vrai que c'est bien d'être seule aussi, hein. Leslie, j'aime beaucoup me promener avec ma mère. Elle est positive et elle profite des choses simples de la vie. Moi aussi, Leslie, j'aime beaucoup, beaucoup marcher avec ma mère. Et je l'ai fait beaucoup marcher, souvent. À Paris, on allait dans tous les sens. C'est pas mal. Vouslat, je me promène seul parce que j'aime bien écouter de la musique en même temps. Eh oui, ça c'est bien. Maria, mon mari. Oui, non mais... Maria, tranquille, tranquille. Une chose, Maria. Une phrase, merci. Alberto, avec ma femme, parce qu'on se raconte beaucoup de choses pendant la promenade. Bah oui. Olga, avec une amie, qui est une fille. Fatima, aujourd'hui, avec moi-même. Ben voilà. Comme ça, Fatima, on n'est pas déçu. On est tranquille. On n'a pas besoin d'avoir des discussions conflictuelles. C'est parfait. athée. J'aime me promener tout seul parce que je pense à ma vie et à l'avenir. Stardust, je préfère courir seul et plutôt quand mon chien était encore en vie avec mon chien. Bah oui, on peut raconter des choses. Aujourd'hui, j'emmène parfois mon chat avec moi. Il adore ça et marche en laisse. Hilary qui nous dit « J'aime marcher avec mes enfants parce que j'aime parler avec eux. » Oh, moi c'est pareil, c'est sympathique. Et puis voir un petit peu comment ils analysent les choses, comment ils perçoivent les choses, c'est toujours délicieux. Mélissa, « J'aime me balader avec ma meilleure amie parce qu'on parle beaucoup. » Ben voilà. Victoria Possé, « J'aime marcher seule parce que je suis très indépendante. » Alors Victoria Possé, elle marche toute seule, mais elle s'endort toute seule sur le canapé aussi, en regardant quelque chose à la télé, à tous les coups. Ben oui, on est tranquille comme ça, pas de problème, pas de problème. Annabelle, nouvelle, personne encore pour le moment. Il est bon de marcher et de passer du temps parfois, car mon travail, entouré de certaines personnes, à de centaines de personnes, ben oui, quand il y a trop de personnes, c'est stressant après. Renato, je préfère me promener toute seule en écoutant de la musique. Lynn, la personne avec qui j'aime me promener est ma blonde, car elle aime se promener et randonner. Eh ben voilà Lynn, vous avez quelqu'un pour partager ça, ça c'est formidable. Yesero, quand j'étais jeune, j'aimais me promener avec mon père, car on discutait de beaucoup de sujets. Margarita, j'aime me promener avec mes voisins. Eh ben ça, c'est pas mal aussi. Merci beaucoup. Alors, je vous l'avais dit, hein, moi, Romer, je ne suis pas un grand fan d'Éric Romer, mais ça fait partie quand même des réalisateurs, eh bien, qu'on doit vous présenter, des réalisateurs de référence du cinéma français. Regardez, si ça vous intéresse ou pas, vous pouvez essayer « Ma nuit chez Maud ». Allez, Santiago nous rejoint. Bonjour Santiago, comment ça va? Je vais vous présenter une université et bien sûr, pas n'importe quelle université. Je vais vous présenter l'université de Paris 8. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que c'était mon université et c'est une université un petit peu spéciale quand même. Et découvrons pour quelle raison cette université est un petit peu spéciale. On y va ensemble. Première chose concernant Paris 8, magnifique université. L'histoire de Paris 8 commence au centre universitaire expérimental de Vincennes, créé à l'automne 1968 dans l'après-mai 68. De nombreux intellectuels s'y impliquent. L'histoire de Paris 8 commence au centre universitaire expérimental de Vincennes, créé à l'automne 1968, dans l'après-mai 68. De nombreux intellectuels s'y impliquent. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Bonjour Victoria Jacques nous rejoint. Vous êtes... Mais c'est pas grave Victoria Jacques, parce que si vous êtes en retard, ça veut dire que vous avez bien dormi. Et j'espère que vous avez bien dormi. Il faut dormir Victoria Jacques, c'est le week-end. Il faut penser à soi, c'est ça qui est important. Allez, on regarde ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'est expérimental. Expérimental, ça doit être... au masculin ici, c'est un adjectif parce que c'est connecté à centre, et centre c'est masculin. Expérimental, E-X-P-E, accent aigu, R-I-M-E-N-T-A-L. Ensuite c'est automne. Automne c'est un mot masculin pour votre information. On l'écrit A-U-T-O-M-N-E. L'automne. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est un substantif, des intellectuels. Des intellectuels, ça doit être au pluriel avec un S à la fin. On suppose que c'est masculin pluriel parce qu'il y a probablement des hommes et des femmes. Et vous le savez, eh bien, la langue française est un petit peu macho, puisque si vous avez au minimum un homme, ça doit être masculin pluriel. Je ne suis pas responsable des règles de grammaire. C'est comme ça que c'est, et voilà. I-N-T-E-L-L-E-C-T-U-E-L-S, intellectuel. Allez, on continue avec... Regardez, regardez. Qu'est-ce que c'est toujours... Qu'est-ce qu'elle raconte, Julia? C'est bizarre. Que se passe-t-il? Attention, on y va. Le général de Gaulle, à la fois pour éloigner les étudiants les plus violemment contestataires de Paris et pour les mettre au défi de réaliser leurs aspirations, à l'idée de leur offrir une faculté dotée d'une très large autonomie pédagogique et financière. Le général de Gaulle, à la fois pour éloigner les étudiants les plus violemment contestataires de Paris et pour les mettre au défi de réaliser leurs aspirations, à l'idée de leur offrir une faculté dotée d'une très large autonomie pédagogique et financière. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, on regarde ensemble les choses qui manquent. La première chose, eh bien, c'est un verbe. C'est un verbe à l'infinitif et c'est le verbe éloigner. Éloigner, vous l'écrivez E accent aigu, L-O-I-G-N-E-R. Ensuite, c'est un adjectif qui doit être au pluriel ici, puisque c'est connecté à étudiant. Étudiant contestataire, ça doit être au pluriel. C-O-N-T-E-S. T-A-I-R-E-S. Ensuite, c'est un substantif, aspiration. Encore une fois, un mot en ion, c'est féminin. Une aspiration, vous l'écrivez A-S-P-I-R-A-T-I-O-N-S. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est autonomie. Autonomie, c'est un mot qui est, encore une fois, féminin. Une autonomie, vous l'écrivez A-U T-O-N-O-M-I-E. D'accord. Donc vous voyez, c'est un petit peu... c'est l'histoire de cette université, hein, quand même. C'est créé par des gens qui étaient un petit peu contestataires. Et... Bon, voilà. On continue avec le numéro 3. Son ministre de l'Éducation, Edgar Faure, est, de son côté, intéressé par la proposition d'un centre universitaire expérimental que lui fait un collectif de professeurs de l'Université de Paris, animé par Raymond Las Vergnas, doyen de la Sorbonne. Son ministre de l'Éducation, Edgar Faure, est, de son côté, intéressé par la proposition d'un centre universitaire expérimental que lui fait un collectif de professeurs de l'Université de Paris, animé par Raymond Las Vergnas, doyen de la Sorbonne. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Allez, si on est à la recherche de trois choses ici, la première chose, eh bien, c'est intéresser. Intéresser, on doit le laisser au masculin singulier puisqu'on parle d'Edgar Faure. C'est un homme et ça doit être au masculin singulier. I-N-T-E accent aigu, R-E-S-S-E accent aigu. Ensuite, collectif. Collectif, substantif, c'est masculin. Un collectif, vous l'écrivez, c'est au L-L-E-C-T-I-F. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est le doyen. Doyen, c'est un substantif. Vous l'écrivez D-O-Y-E-N. Le doyen, doyen de la Sorbonne. Allez, on continue avec le numéro 4. La fac de Vincennes réenvisage les rapports traditionnels entre professeurs et étudiants, mais aussi entre l'université et le monde extérieur. L'université est largement ouverte aux étrangers. La fac de Vincennes réenvisage les rapports traditionnels entre professeurs et étudiants, mais aussi entre l'université et le monde extérieur. L'université est largement ouverte aux étrangers. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Ah oui, Chériline, si vous savez pas écrire doyen, ça, c'est pas raisonnable. Alors effectivement, trois choses encore, et là, vous peut-être commencer à percevoir la dynamique et le côté un petit peu exceptionnel de cette université. Première chose, les rapports, eh bien c'est masculin normalement, mais ici c'est pluriel, donc les rapports R-A-P-P-O-R-T-S. Le T et le S ne sont pas prononcés. Ensuite, étudiant que vous avez ici au pluriel, E accent aigu, T-U-D-I-A-N-T-S. Et finalement, on finit avec un adverbe. L'adverbe de manière largement. Comme les adverbes de manière, vous les construisez à partir de l'adjectif. L'adjectif, c'est large à la forme basique, le masculin. C'est la même forme pour le féminin, large, L-A-R-G-E. Et vous rajoutez le ment, M-E-N-T, pour finalement obtenir votre adverbe largement. Allez, on continue avec la cinquième chose concernant cette magnifique université. Au début des années 1970, le département d'anglo-américains passe pour le plus structuré, ayant calqué le modèle universitaire américain et sa notion d'unité de valeur. Au début des années 70, le département d'anglo-américains passe pour le plus structuré, ayant calqué le modèle universitaire américain et sa notion d'unité de valeur. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Alors, encore une fois, trois choses. Et lui, ça n'est pas « je t'aime ». Et non, on ne parle pas ici d'amour, ou peut-être l'amour de l'apprentissage des choses. La première chose, c'est structurer. Structurer, ça doit être, eh bien, tout simplement au masculin singulier. Vous l'écrivez S-T-R-U-C-T-U-R-E, accent aigu. Structurer. Ensuite, calquer, même chose ici, hein, vous le laissez toujours au masculin singulier, C-A-L-Q-U-E, accent aigu. Et la dernière chose, eh bien, c'est universitaire, encore une fois un adjectif qui est eh bien, identique au masculin ou au féminin, universitaire, U-N-I-V-E-R-S-I-T-A-I-R-E, universitaire. Allez, on continue avec, eh bien, la dernière chose concernant Paris 8. La linguistique, eh oui, y occupe une place importante en faisant référence aux travaux de John Lyons, Noam Chomsky, Julia Kristeva, entre autres, qui bousculent les théories du langage établies jusqu'alors. La linguistique y occupe une place importante en faisant référence aux travaux de John Lyons, Noam Chomsky, Julia Kristeva, entre autres, qui bousculent les théories du langage établies jusqu'alors. Allez-y. Allez, on regarde ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'est linguistique. Linguistique, et ça, c'est assez intéressant. Phonétiquement, on prononce le U, qui est une exception en français. On prononce lingui, alors que normalement, on ne le prononce pas. Linguistique. Vous l'écrivez L-I-N-G-U-I. Le U, vous le prononcez. S-T-I-Q-U-E, la linguistique. Ensuite, faisant. Alors, faisant ici, souvenez-vous, hein, c'est le verbe faire. Le verbe faire, vous le transformez au participe présent. Faisant, F-A-I-S-A-N-T. Et puis, quand on le combine avec un « en », ça nous donne un gérondif, deux actions simultanées. Faisant, F-A-I-S-A-I-N-T. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est établi. Alors ce qui est intéressant, c'est que établi, ici, est clairement connecté à théorie. Théorie, c'est féminin. Théorie, c'est pluriel. Donc établi doit être au féminin pluriel. Version basique de établi, E accent aigu, T-A-B-L-I. Ça, c'est notre version de base. On rajoute le E pour le féminin, on rajoute le S pour le pluriel et vous l'écrivez E accent aigu T-A-B-L-I-E-S. On ne prononce pas le E, on ne prononce pas le S, mais ça doit être là. Voilà. Paris 8. Toujours fidèle. Allez, ça continue avec « À vous la parole ». Et là, j'aimerais bien savoir ce que vous allez me dire. Ville ou campagne? Mais attention, pour une promenade, d'accord? Si vous devez vous promener, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous préférez vous promener à la campagne? Est-ce que vous préférez vous promener dans une ville? Et bien sûr, la question c'est « Pourquoi ?» Allez-y, s'il vous plaît. Une phrase, pas plus, juste une phrase, merci. Alors, Johanna, eh bien, si vous avez quelque chose à partager. Là, j'avais quelques petites choses que j'attends pour la semaine prochaine pour essayer de les compiler. Si vous voulez prendre une photo, écrire un petit texte pour les autres, poser une question aux autres participants, c'est la possibilité de le faire. Partager des choses avec les autres, comme ça je vais les intégrer dans le cours et ça pourrait être sympa. En général, on aime bien montrer les choses qu'on cuisine. Mais ça, on peut faire d'autres choses, c'est pas uniquement de la nourriture, même si c'est très important. Alors, c'est Ice Cube qui commence. Et Ice Cube, elle nous dit « Eh bien, je préfère me promener à la campagne parce que c'est plus tranquille. » Eh ben oui. Jane Caroline qui dit « Moi, j'aimerais me promener à la campagne parce que j'adore la nature. » Et ça, je comprends. Yesero qui dit « Quant à moi, je préfère me promener à la campagne parce que dans la ville, on doit faire attention à ne pas être percuté par une voiture. » Eh ben oui. Tenzing qui nous dit « Je préfère me promener à la campagne parce que j'aime le calme. » Ange Gabriel qui nous dit « J'aimerais me promener à la campagne car c'est silencieux, je n'aime pas le bruit. » Leslie Caro qui dit « J'adore me promener à la campagne parce que la nature me détend. » C'est vrai que c'est tellement relaxant, ça je suis d'accord. Yossi, à la campagne, je préfère la campagne pour me promener. Dans une ville, je préfère la ville pour ça. Je ne suis pas sûr que j'ai compris vraiment. Donc, vous préférez quoi, Yossi? La campagne ou la ville? Brainwash. Si la ville est Washington ou Tokyo, je préfère marcher en ville. Sinon, je préfère me promener à la campagne. Washington DC, donc j'imagine. Melissa Madrid. J'aime me promener à la campagne, mais je suis peureuse. Donc, je dois être accompagnée. Annabelle. N'importe où. Mais juste une longue marche. Et là, je suis d'accord avec vous, Annabelle. Alors là, je suis d'accord. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien les deux, mais il faut que ce soit une longue marche. Julia qui dit « Moi, évidemment, je préfère me promener dans une ville, idéalement au milieu de l'autoroute. » Entre les deux routes, Julia, elle aime être au milieu pour bien sentir les gaz d'échappement. Qu'est-ce que c'est comme réponse? Maria, si je me promène, mon choix sera la campagne parce que j'adore la nature. Olga, je préfère la ville car j'ai un sens de sécurité. Ah bah oui. Hilary, je préfère faire une promenade en ville parce que j'aime regarder les gens. Eh ben oui, ça c'est sympathique aussi de regarder les gens. Johanna, je préfère me promener dans une ville car j'adore sortir en ville avec mes amis et aller au ciné. Et bien sûr faire de bons achats et avoir des souvenirs ou bien des petits cadeaux pour nous et pour les plus chers d'entre nous. Benter, je préfère me promener à la campagne, bien sûr. La méditation, c'est à un niveau très haut. Et il n'y a aucun bruit. Bah oui. Zilanzen qui nous dit l'un ou l'autre pour prendre des photos. C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Alberto, je préfère aller à la montagne car on peut respirer l'air pur et profiter du silence. Luciana, si possible, une promenade à la campagne est meilleure pour un air plus pur. Victoria Jacques, j'aime me promener à la campagne parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui roulent. Omar, quand je voyage, je préfère me promener dans les villes, mais pas là où j'habite. Et il y a beaucoup d'endroits à la campagne pour marcher. La Costa Brava. Vouslat, je préfère me promener en ville parce que j'habite en ville et je fais des achats après. Ah, Vouslat combine les deux. La promenade et les courses. Comme ça, c'est réglé. Marcia, je préfère me promener à la campagne car j'aime la nature. Stardust, je préfère être à la campagne ou dans les bois. Je n'ai pas besoin de voir et d'être vu. Mais quand je suis en ville, j'aime vraiment regarder les maisons de la vieille ville et m'arrêter quelque part pour boire un verre. Ouais, je suis d'accord. Renato, je préfère me promener en ville parce que nous pouvons marcher. Nous pouvons faire du vélo à côté de la mer. Cosmina, je n'ai aucune préférence. Si je suis dans un pays étranger, je voudrais me promener d'abord dans les grandes villes. Si je suis dans mon pays, parce que je connais les villes, alors je préfère me promener à la campagne pour la tranquillité, l'air frais et les fleurs. Chériline qui nous dit « Moi, je préfère me promener en ville parce que ma ville est une ville côtière et la mer est belle. » Très belle chanson de Charles Trenet, « La mer », Chériline, que je vais vous faire découvrir si vous ne la connaissez pas. Et il n'y a rien à voir à la campagne ici. Il y a peut-être des souris, Chériline. Des souris moyennes, on ne sait pas. Pas des grosses, pas des fortes, pas des maigres. On ne sait pas. Yann Arte, je préfère la campagne parce que c'est beau et qu'il y a de l'air frais, probablement. Victoria Possé, je préfère la campagne, sinon je peux aller n'importe où. Le plus important, c'est de marcher et de bouger. Ah, Victoria Possé, elle est dans l'action, là. Elle est dans l'action, c'est clair. Lynn, j'aime me promener dans les deux cas car il y a toujours des nouvelles choses à voir. Et nous sommes d'accord, Lynn, avec votre compagne. Fatima qui nous dit « Je préfère me promener en ville car il y a beaucoup d'arbres. » En ville? D'accord, ah, dans votre ville. Donc dans votre ville, Fatima, il y a beaucoup d'arbres. Merci beaucoup. Allez, on y va. On y va. Quelqu'un, une fois, m'avait posé la question. Mais pourquoi vous avez une auréole derrière vous? Et j'avais expliqué, et je voulais prendre le temps d'introduire, eh bien, un ancêtre de ma famille, effectivement, qui s'appelait, puisqu'il n'est plus là, François Migoret. Eh bien oui, il y a dans ma famille quelqu'un qui s'appelle François Migoret et qui est un personnage très intéressant. Et je vous invite à découvrir François avec moi. Bon, la seule chose qu'on peut avoir de lui, c'est cette image qui n'est peut-être pas vraiment olé olé pour un week-end, mais c'est comme ça, c'est la vie de François Migoret. Et nous commençons avec la première chose concernant François Migoret. François Migoret-Lamberdière est né en 1728. Il était le fils d'André Migoret et de son épouse Marie Cosseron. François Migoret-Lamberdière est né en 1728. Il était le fils d'André Migoret et de son épouse Marie Cosseron. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, on attaque directement avec les trois choses qui manquent. La première chose, eh bien, c'est le participe passé du verbe naître. Ici, ça doit être au masculin et on l'écrit N-E, accent aigu. Masculin puisque François, c'est un monsieur. Ensuite, c'est le verbe être qui doit être ici à l'imparfait, troisième personne du singulier, était, E, accent aigu, T-A-I. Et puis, épouse. Épouse, eh bien, c'est le féminin d'époux. Et on l'écrit E, accent aigu, P-O-U-S-E. Épouse. Et Julia qui dit comment Migoret est devenu le François. Parce que c'est la branche de ma maman. C'est la branche de ma maman, Julia. C'est comme ça que ça se passe quand c'est d'un côté. Et puis ça change. Je vous montrerai mon arbre généalogique, Julia, si vous le souhaitez. Il est magnifique. Allez, la deuxième chose concernant le beau François. Il entre dans l'ordre franciscain en 1751 et devient séminariste à Domfront en 1752. Il reçoit le sacrement de l'ordination sacerdotale en 1753 et est alors vicaire et directeur de la petite école paroissiale. Il entre dans l'ordre franciscain en 1751 et devient séminariste à Domfront en 1752. Il reçoit le sacrement de l'ordination sacerdotale en 1753 et est alors vicaire et directeur de la petite école paroissiale. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors Cosmina qui dit lequel de ces repères ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Cosmina. J'ai demandé aux personnes qui m'ont transmis cette peinture, enfin en tout cas la photo de cette peinture, mais c'était pas clair. C'était pas clair. Donc je ne peux vraiment rien dire. Allez, comme d'habitude, trois choses. La première chose, franciscain. Franciscain, ça doit être effectivement ici au masculin, puisque nous parlons de François. Et François était un monsieur, et donc on l'écrit F-R-A-N-C-I-S-C-A-I-N. Ensuite, le sacrement. Sacrement, comme vous le voyez, c'est un substantif qui est masculin. S-A-C-R-E-M-E-N-T. Et puis directeur. Directeur ici, c'est le masculin, puisque c'est encore une fois François. D-I-R-E-C-T-E-U-R. Alors jusqu'à maintenant, tout va bien. Ah, ça devient un petit peu moins joyeux progressivement, mais bon, on y va. En 1777, il devient curé de Rennes-en-Grenouille, près de Mayenne. À partir de 1792, il est détenu avec 13 autres prêtres et quelques religieux au monastère de la Patience à Laval. En 1777, il devient curé de Rennes-en-Grenouille, près de Mayenne. À partir de 1792, il est détenu avec 13 autres prêtres et quelques religieux au monastère de la Patience à Laval. Allez-y. Alors, je regarde. Trois choses, bien sûr. La première chose, c'est le verbe devenir. Le verbe devenir, ben ici, qui est conjugué à la troisième personne du singulier, et vous l'écrivez D-E-V-I-E-N-T au présent. Ensuite, détenu. On doit le laisser ici au masculin parce que, bien sûr, c'est toujours pour François. Et donc, c'est D-E, accent aigu, T-E-N-U. Et la dernière chose, c'est monastère. Monastère, c'est un mot masculin. Un monastère, et vous l'écrivez M-O-N-A-S-T-E, accent grave, R-E. Quatrième chose, voilà. Et là, ça devient moins joyeux, malheureusement pour eux. Après l'interdiction de toute pratique religieuse en France, à partir du 9 janvier 1794, François Migoret-Lamberdière et ses confrères sont jugés et condamnés le matin du 21 janvier 1794. Après l'interdiction de toute pratique religieuse en France, à partir du 9 janvier 1794, François Migoret-Lamberdière et ses confrères sont jugés et condamnés le matin du 21 janvier 1794. Alors, Aïcha Mohamed nous rejoint. Bonjour Aïcha, comment ça va? On n'oublie pas de cliquer sur le like. Nous n'atteindrons pas les 100, mais ça n'est pas grave. j'ai accepté ça. Allez, trois choses comme d'habitude. La première chose, c'est pratique. Pratique, c'est féminin. Une pratique, et on l'écrit P-R-A-T-I-Q-U-E. L'autre chose, c'était confrère. Alors, confrère, c'est masculin, mais ici, c'est au pluriel, donc on doit mettre un S à la fin, C-O-N, F-R-E, accent grave, R-E-S. Qu'est-ce qui se passe? Julia, elle est en forme. Hein. Condamné. Condamné doit être écrit ici au masculin pluriel aussi. C-O-N-D-A-M-N-E, accent aigu, S. Julia, c'est comme ça que François devient le François. Mais non. Julia, c'est du côté de ma maman. Et donc, bien sûr, ma maman ne s'appelle pas le François. Mon papa s'appelle le François, donc c'est du côté de ma maman. Donc bien sûr que les noms changent. C'est comme ça la généalogie. Allez, la cinquième chose concernant, ben, c'est une histoire quand même un petit peu tragique, il faut le dire, donc restons sérieux. Le même jour, les 14 prêtres ont été exécutés par guillotine. Leurs corps sont enterrés dans une prairie de la Croix-Bataille, à l'extérieur de la ville. Le même jour, les 14 prêtres ont été exécutés par guillotine. Leurs corps sont enterrés dans une prairie de la Croix-Bataille, à l'extérieur de la ville. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble les trois choses qui manquaient. Eh bien, exécuter. Exécuter doit être, bien sûr, au masculin pluriel, puisque nous parlons, eh bien, de prêtres. Donc, c'est uniquement des hommes, mais c'est du pluriel. Et donc, vous l'écrivez E-X-E, accent aigu, C-U-T-E, accent aigu, S. Ensuite, guillotine. Eh bien, guillotine, c'est un mot féminin, la guillotine. Et on l'écrit ici, G-U-I-L-L-O-T-I-N-E. Et la dernière chose, eh bien, c'est un substantif, encore une fois, prairie. Prairie, vous l'écrivez P-R-A-I-R-I-E. C'est féminin, une prairie. Allez, on termine avec la dernière chose concernant, eh bien, mon ancêtre. Le 19 juin 1955, le pape Pie XII béatifie les 14 martyrs de Laval. Le 19 juin 1955, le pape Pie XII béatifie les 14 martyrs de Laval. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble les trois choses qui manquaient. Bon, bah la première chose, c'était relativement facile, c'est juin, le mois de juin, attention, pas de majuscule. En français, c'est tout en minuscule, J-U-I-N. La deuxième chose, c'est un verbe. On ne l'utilise pas très souvent, mais c'est le verbe béatifier. Béatifier, qui est un verbe régulier du premier groupe. Et on l'écrit béatifie, parce qu'ici, nous parlons du pape, troisième personne du singulier, il béatifie, B-E, accent aigu, A-T-I-F-I-E, béatifie. Et puis la dernière chose, eh bien c'est martyr, et martyr on l'écrit M-A-R-T-Y-R-S. Le 19 juin 1955, le pape Pie XII béatifie les 14 martyrs de Laval. C'était à Rome et ma grand-mère est allée là-bas pour l'occasion, bien sûr. Allez, merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment sympa, c'était vraiment chouette. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera comme d'habitude, du lundi au samedi. J'espère vraiment, vraiment que vous allez passer eh bien, un très bon dimanche. Au revoir et à bientôt. Cosmina, votre ancêtre est un saint, mais oui,